Vraiment, la musique, elle est éclatée. Il faut que je change de musique, il faut que je fasse quelque chose, mais... Je ne peux pas, mon âme et conscience, vous laisser avec cette musique et vous dire, mais vous inquiétez pas, tout se passe bien, quoi. Je ne peux pas. Ok. Alors attendez, parce que du coup, on va fermer ça. On va ouvrir le dossier secret, j'ai pas renommé. Alors, il y a des mises à jour, je sais pas si je les ai bien faites, j'avoue que j'espère. Et que ça me ferait chier de les avoir mal faites, quoi, ces mises à jour, quoi. Ok, hop, la fameuse scène secret. Parce que là, franchement, je dois vous avouer, mais j'ai même pas mis le son, je suis un animal. Laissez-moi vous mettre le son, bien évidemment, du jeu. Voilà, là, pour que c'est pas trop fort, il me semble que c'était par là. Et vous bénéficiez désormais du son du jeu. Petit pitch récapitulatif. En fait, j'aimerais, dans les best-of YouTube que je ferai donc après Harry Potter, j'aimerais que les best-of soient par stream. Pas forcément par région comme Pokémon en Nuzlocke, enfin les Nuzlocke du coup. J'aimerais vraiment que ça soit en rapport avec tous les streams. Là, on est normalement au deuxième best-of et vraiment, du coup, on va avancer le plus possible. Je vous rappelle que ce jeu est le fangame du moment et un des fangames les plus amusants que j'ai pu faire. Pourtant, c'est le seul que j'ai pu faire, c'est pas trop compliqué. Mais ce fangame est vraiment pixel. Je n'ai pas joué énormément et j'ai pris un plaisir immense à y jouer, quoi. Le Pokémon sont évidemment soignés. Merci, merci vraiment au Projet Réunion pour ce jeu qui est vraiment pixel. Alors, est-ce qu'on se souvient du chemin? Pas vraiment, mais on va essayer de le refaire. En plus, Hinoking, il prend sa rage à chaque combat, enfin, j'aimerais bien farmer un peu tranquillement, mais... Puis il y a tous les scouts, qui, je vous rappelle, se prenaient la misère sur les panneaux de cette route. Pardon? Ah, excusez-moi, alerte rouge! On coupe là, il y a un Pokémon de la 5G en fait. Ah, tu me régales d'avoir mis un Pokémon de la 5G par ici, tu me régales. Bah, faire tonnerre, faut pas être super efficace, donc il n'y a pas de stab, il n'y a pas de type efficace ou pas. Voilà. Oh, le brutapod dans la forêt de Jade, c'est un plaisir sans nom. Ah bah alors là, il y a des idées qui ont été dites au pitch là qui m'intéressent énormément. Utilisation d'un brutapod notamment. La 5G, la 5G. C'est pas grave. J'en ai encore. Et ouais. Brutapod en pleine puissance, frérot. Par contre, désolé, mais la 5G étant la génération pixel du moment et pixel tout court. Évidemment, Brutapod va partir dans notre équipe. On va devoir aller le chercher, malheureusement. On va devoir aller le chercher. Vous vous doutez bien que la 5G étant dans ce jeu. Bah, ben voilà, par contre. Je savais qu'il y avait des Pokémon de la 5G. Je sais qu'on va en avoir un autre très prochainement. Enfin, pas encore, pas dans cette prochaine ville, mais celle d'encore après. Mais là, j'avoue que là, par contre, le Brutapod fait extrêmement plaisir. Hein. Je sais pas vraiment si... Ah, par contre, l'idée d'un Brutapod dans la forêt de Jade... Ah, oh, ça me fait plaisir de ouf, par contre. De toute façon, pour l'instant, dans ce jeu, beaucoup de choses sont pixels. Les musiques sont pixels. Là, la musique de Jadiel. J'ai oublié qu'il fallait un masque à Jadiel. J'ai pas l'argent pour payer les amendes, donc on met le masque. J'ai hâte de plus être à Jadiel, hein. Et Giovanni, mettez pas le masque, Giovanni, hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais Giovanni ne mettait pas le masque. Hein. Oh la vache, Brutapod!
Pourquoi il y a écrit qu'il est transféré dans les PC de on sait pas qui alors que c'est les PC de Léo, je comprends pas. Bah, c'est pas très important. J'ai pas racheté d'hyperbole, je suis tombé sur d'autres Pokémon super rares. Parce que là, la forêt, on est à la fin, je vous rappelle. Il nous reste deux dresseurs à affronter, un sbire et une femme un peu différente. Je pense qu'il faudra les affronter très clairement. Il y avoir des Pokémon sauvages très intéressants, même au niveau 75. Ah oui, c'est un Pokémon plutôt classique du coup, plutôt low level je pense, on a là. Bon ta pote, tu vas XP hein. Je l'ai pas soigné, je suis un putain d'animal. C'est-à-dire que je suis allé au centre Pokémon et je ne l'ai pas soigné. T'es intelligent Loki, hein, je trouve, tu transpires l'intelligence, c'est ouf, je l'amuse ce panneau là. C'est pas de capturer le pattern dans la source que du gâchant, parce que c'est pour un imbécile. Bon, il nous reste, techniquement il nous reste un quart d'heure de stream, on va dépasser un petit peu, on va se permettre un petit plaisir coupable quoi, pas vous mytho, là j'en ai besoin un peu au jeu. Arrêtons à 17h. Proposons, je vous propose 17h pour arrêter. On l'est pas affronté? Ah, parfait! Je suis le dernier scout que tu vas devoir affronter. C'est quoi cette tête que tu tires? T'as l'air agacé. Eh oui, il n'y a que des scouts ici. Et tu ne peux pas éviter le combat. Éviter le combat? Bah non. Il y avait que... Oh, ça me détruit, on pouvait... En vrai, je pense que même si on disait oui, je pense qu'on pouvait pas, en vrai. Quoi, j'avais envie de combattre. J'avoue que là... On y va. Mais le mec quand même ça me détruit parce qu'il a quand même une petite haine envers les... Les scouts quoi. Enfin nous sommes là, après c'est une très très bonne running gag, c'est un très bon running gag en vrai. En vrai je vais... Là s'il meurt pas je vais placer un potion match. Putain, il est mort. On aurait préféré l'éviter. Excellent. Non mais en vrai il est excellent. Potion max sur le Pokémon, ça va être pas mal là. Ça fait quoi ça? Un item to be helped by Pikachu. By Pikachu, on peut le donner à Pikachu? Ok. Bah oui, j'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Inutile à première vue. À première vue, c'est-à-dire que ça va être pixel sur la fin, comme d'habitude. On va sauvegarder. Tu as l'air d'avoir pas mal d'argent sur toi. Eh bien, tu vas tout me donner. Je crois que je vais tout te donner, Pierrot. Parce que tu sais qui je suis. Ah, Pierrot. Ah ouais, bah du coup là tu m'en refais des matchs par contre. Là t'as plus de niveau que moi, et moi j'ai pas l'attaque qui m'intéresse sur... En vrai j'ai piège de venin. Moi j'ai toxique surtout. Là si tu mets pas KO, toxique c'est parfait. Ouais, pas de... Coup critique. Oh, oh, oh. C'est illégal les coups critiques comme ça, normalement. Bon, Locklear c'est pas grave, Locklear va me carry tranquillement. Après l'âme de roche, je prends pas masse, hein. Si je prends en marque avec la glace, bah oui. Mais bon, je résiste et je défonce Ptera, les amis. C'est terminado. Après, je prends trop cher. En vrai, je devrais pas prendre aussi cher par combat. Hein. Je prends bien plus cher que ce que je devrais. Hein.
Oh, la bière, c'est un chaos. J'ai hâte de voir les méga évolutions, parce qu'il y en a, il y a parlé de méga brass, donc il y a forcément une méga évolution. J'ai bien hâte d'y arriver. Dans Slam, ok. En fait, Drapeau Feu est surcoté dans le jeu, mais là je pense qu'il va nous carry notre train en fait, c'est bizarre. C'est bizarre, hein, mais je vois ça comme ça, quoi. C'est pas si puissant. On va retrouver l'intégration, c'est peut-être parfait. Je sais pas, je vais pas vous dire parce que je suis pas fait attention, mais avec le stab. En vrai, il est bruit donc il fait moins de dégâts. Enfin, moi aussi, mais. Excusez-moi. Petit aime bien. Hypnose, c'est le jeu de Pokémon. Lui il est brûlé, lui il me tuera pas avant sa brûlure, mais. J'aimerais bien finir assez rapidement le combat quoi. On va prendre un bon tour tank, on va lui envoyer à la gueule quoi. La musique est très bien par contre. Hein. Atterrissage, il perd donc le type vol, en plus de soigner. C'est intéressant pour lui, hein, évidemment. Et donc, on ne change pas que tu es brûlé, frérot. On va partir sur l'île obscure, du coup. On va voir si ça fait des dégâts. J'ai pas regardé les stats de mon temps en train. Je crois que c'était 31 partout, il avait dit, mais après. On va rester sur le stab avec un petit gros canon classique. Hein. De toute façon, il est foutu, je l'ai brûlé, hein, donc il est foutu, hein, mais. Le truc, c'est que juste pas qu'il fasse un atterrissage sur sa réplique, quoi. C'est deux fois que je rate. Ça va partir sur Pikachu tonnerre, ça. Hein. Putain. Mais j'ai raté deux fois, il est dans le canon. Je sais que ça fait une grande portée, mais c'est un plus de 50%, quoi. Évidemment, évidemment. On va Pikachu à balle lumière maintenant, donc bon, ça va être très rapide, mais. Je suis moyen bof avec des gros canons qui a évité deux fois. C'est plus de la chance ou pas. Hein. C'était Chao. C'est une blague? Mais t'es qui? Je suis Red. Ah, je vais me prendre un sacré savon par la boss. La boss, donc c'est clairement la boss. Hein. On n'a pas nos Pokémon en état d'affronter la boss des mecs qui me pètent la gueule. Hein. Les mecs me pètent la gueule, je n'ai pas le niveau d'aller affronter des mecs qui ont une boss au-dessus. Hein. C'est un... Dracolos d'or, putain. Sarmurai dont je n'ai pas compris quel type il était. On va tenter une déflagration. Vraiment le dodo était obligatoire. Coquillam, c'est la signature de moustillon. Mais je t'en veux pas de l'utiliser hein, Sarmurai, hein. Tu manques d'originalité, c'est tout.
Je pense, en fait, là, je vais prendre un call. Je vais prendre le call de il n'y a pas vraiment à farmer au début. C'est-à-dire que là, à mon avis, dans la forêt de Jade, pour moi, il n'y a pas à farmer parce que c'est les Pokémon qui apparaissent. Les hauts levels sont encore rares. Donc, je pense qu'il n'y a pas à farmer. Là, c'est plutôt. Voilà, si vous voulez changer votre équipe. Je pense qu'il va y avoir des zones. Puisqu'il parle du multivers, il y aura des zones, je pense, je call, à mon avis, où on pourra vraiment farmer des Pokémon puissantes. Et à farmer les levels. Je sais pas où est-ce que le développeur va nous faire aller avec son jeu en fait, je sais pas vraiment le but... Enfin pas le but du jeu, ça j'ai compris, mais le but... Genre nous, notre réaction qu'on doit avoir. Alors moi en fait à Diana, je suis sûr qu'ils ont farmé à cet endroit là pour être sûr que tout allait bien quoi. Et je me rends pas compte justement s'il faut farmer à cet endroit ou s'il ne faut pas quoi. On a pas mal de Pokémon qui sont déjà... Enfin nos Pokémon de base au niveau 80, alors au niveau 75, ce qui est pas vraiment extraordinaire, 75 en vrai. Hein. Voilà, on va mettre le masque bien évidemment pour le RP. Ah. Si seulement j'avais 150 000 Poké-Dollars d'avance, bah si je me faisais choper... payer quoi, mais je les ai pas d'avance quoi. J'ai pas envie de foirer mon aventure en étant forcé de faire les travaux d'intérêt généraux pour les forces de l'ordre pour mon port de masque quoi. Heureusement que c'est que Jadiel qui le demande hein, parce que bon, le mec est vraiment à fond dans le roleplay quoi. Je propose une sauvegarde dès qu'on arrive dans la forêt. Sinon il n'a pas changé à lire avant de jouer, hein. Il faut sauvegarder souvent, il n'a pas changé. Hein. Vous allez dire, mais ça change quoi qu'il pleuve? Bah, techniquement rien, mais il pleut quoi. Des combats classiques, Pokémon Low Life. Bordel, ça marche. Alors, le taux de Shiny est le même que le jeu classique, hein, c'est 1 sur 1000, je crois, ou 800, je sais plus. Enfin, on n'aura, je pense, pas de notre run. Ce qui n'est pas vraiment un problème, à vrai dire, mais voilà. Important de faire noter que ce sera quand même le cas. Après, heureusement que là, on croise que des Pokémon, entre guillemets, petits, hein. Parce que là, pas la force de faire affronter bout à bout contre des Pokémon super forts et perdre un premier Pokémon. Contre la mademoiselle qui est au bout de la route quoi. Et il y a mademoiselle qui est au bout de la route qui me tape pas trop la gueule quoi, parce que bon j'ai pas spécialement envie de me faire péter la gueule là. Hein. Je suis peut-être invisible dans mes combats mais bon, moi dans mes combats j'aimerais éviter de me prendre une déculottée à tous les combats quoi. Ouais, la madame me fait peur, imaginez, il me percuterait. Je prends une déculottée, enfin. Je te reconnais. Tu es ce dresseur dont tout le monde parle dans cette région, n'est-ce pas? Ce regard, cette casquette rouge... Oui, ça ne fait aucun doute. C'est également celui qui a collé une raclée à mes chers serviteurs. Comment je l'ai su? Disons que les Pokémon volent ont des oreilles partout. Tu peux parfaitement comprendre ce qui te pousse à agir contre nous. Ceci dit, si tu te mets à battre mes serviteurs, je ne pourrais te le pardonner. Nous, les Karachu, agissons pour une cause noble. Laisse-moi te poser une question. Penses-tu qu'être un excellent dresseur est à la portée de tout le monde? Bah techniquement oui, mais oui. Bon.
Oh, c'est donc ce que tu crois. Je suis assez déçu. Laisse-moi t'expliquer. Devenir un dresseur, ça a un prix. Il faut pouvoir investir dans ce voyage, peu importe l'âge. Il faut pouvoir réussir à suivre les coups que te demanderont tes Pokémon. L'argent que tu perds en combat. Sans oublier la Ligue Pokémon qui s'en met plein les poches en vendant leurs articles sans se soucier des défavorisés. Ah, c'est pas con ce qu'a dit en vrai. C'est là que nous, les Karasu, entrons en jeu. Même les plus pauvres ont le droit de vivre cette expérience, ce voyage. Ce serait injuste et idiot que de jeunes enfants se retrouvent privés de tout ça juste pour une question d'argent, n'est-ce pas? Oh, tu penses que ce n'est pas une raison pour être dans l'illégalité? Ce monde est déjà corrompu, ben, bien plus que tu ne le penses, jeune dresseur. Mais j'ai beau parler, ça ne changera rien, je suppose. Quoi qu'il en soit, ton chemin s'arrête ici. Je vais te montrer que l'on ne peut se dresser contre les Karasu sans en subir les conséquences. J'agis au nom des rêves de tous. J'agis pour ceux qui donneraient tout pour mener ta vie actuelle, pleine de succès et de gloire. Moi, Raven, agis au nom des Karasu. Raven. Ok. Ok, donc c'est la leader. Hein. Météno. Bah ouais, mais Météno... Nouveau Pokémon, du coup. Ok, ça marche. Il pleut. Lié carton de Météno. Je vais te démontrer qu'il existe bien des inégalités dans le monde. Surtout entre toi et moi. Bah, je vais commencer par un toxique, dans tous les cas, ça fonctionnera. Ah, il peut pas être empoisonné! Prenez votre envol, mes fidèles compagnons ailés! Évidemment, le type vol. Et elle, bah, également le type vol, donc je pense que Pikachu a un avantage monstrueux. C'est donc là tout le talent que tu possèdes. Mais ta gueule! C'est mon premier Pokémon en fait. Quand je vais te laminer avec un low class, tu vas venir pleurer quand je vais faire tout ton talent? Bon. On va voir peut-être un petit peu. Et ton type vol, il dégage! Pam 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 pam! Tu as quoi là? Ça active, ok. Qu'est-ce que ça fait? On va continuer à te passer à une plus rapide. Alors non, tu meurs normalement et tu décèdes. Est-ce là d'où tu tombes? Est-ce là tous les talents que tu possèdes? Attends une seconde. Je vais te retirer ce regard des assurés que tu as là. Oh, le quatrième mur est brisé. Tout à fait. Par contre, elle est boss des Pokémon Ball, vraiment. C'est donc ça la vie qu'elle a décidé de mener. Ah, voilà, elle a mis la gueule, bien évidemment. Là, je lui ai laissé, hein. Quand on oublie bien, c'était volontaire. Hein. Et la maîtresse des Pokémon Ball, elle va se prendre un coup de foudre dans la gueule. Hein. Et allez, moi, ça va être une relation sans unique. Hein. Et ouais, j'ai pas de lumière, mon pote! J'ai pris Tari, quand même. Sur un pas efficace, j'ai pris Tari. Ah, ça partait au plus au max, hein, en vrai. J'ai pas le choix. Bah non, attendez, on va le laisser tuer. On va le laisser tuer, on va faire Herbe Rappel. Je rappelle qu'on a une Herbe Rappel. Ah, Scorvol. Tu sais, je sais pertinemment qui tu es. Ah ouais? Tu me connais? Je suis un fan? J'ai des fans? Excuse-moi, j'ai pas souvent des fans qui viennent me casser la gueule, quoi. Que de faire, c'est l'attaque qui connaît Pikachu. Je suppose, voilà. Voilà. J'ai bien mérité. Et tu es paralysé, tu es un peu débile, toi. T'as pas eu de chance, en vrai. T'as pas eu de chance. On fera Herbe Rappel si besoin est, en vrai. Juste envoyer parfois. Et péter la gueule, quoi. Un dresseur considéré comme une légende, mais tu ne pourras jamais comprendre ce qu'ils vivent dans le besoin. Bah en fait, je peux comprendre parce que moi je vis dans le besoin, je n'ai plus d'argent actuellement, donc si je suis pas compris, je suis dans la merde en fait. Si je vais claquer une Herbe Rappel, je le sais parce que je me connais, et le problème c'est que potentiellement, bah, elle servira à rien, tu vois. Il reste deux Pokémon. Ouais, mais Corvallius, tu n'es pas le type Pokémon en fait. Oh, il est shiny! Est-ce que t'as un shiny? Mais attendez, depuis quand les PNJ ont des shiny?
armes. Depuis quand les PNJ ont des shiny par contre? Il y avait toutes ces perturbations dans la nature, je ne pouvais même plus mettre le point en discussion. Tout est devenu trop dangereux. Tu ne l'as pas remarqué? Attends, je vais vite fait ce que j'ai remarqué dans quelques secondes. Attends, attends, vite fait, hein. Attends, dans 3 secondes. Ouais, est-ce que j'ai remarqué quoi, tu m'as dit? Déploie tes ailes d'argent et apporte-moi tout l'or du monde. Tu es l'espoir de l'unique Corvallius. Mon Corvallius, je vais te fumer la gueule, tu sais ça. Je crois qu'il est gêné ce Corvallius. Mais qu'importe ce qui se passe dans le monde, je me dois de faire mon travail jusqu'au bout. Par contre, c'est un type quoi Corvallius? En vrai, je connais pas le type de Corvallius, je suis niqué hein. On va tenter une laser glace, on va tenter de le geler en vrai. Je connais pas le type de Corvallius. Clairement, il est pas que de type vol parce que sinon il prendrait plus cher que la table de type glace, donc on va faire un hydrocanon pour avoir le stab. Oh! Félicitations à tous. Nous avons gagné. Je t'ai sous-estimé, on dirait. Bien joué à toi. Ta force est fascinante. Bah, on a eu beaucoup de chance en vrai. Tu es plus fort que je ne pensais. Mais ne crois pas que tu vas terminer avec les Karazu. Nous reviendrons et ce, très bientôt. Et je te retrouverai, dresseur. Rien ne m'empêchera de donner une chance à tous ces futurs dresseurs qui souhaitent vivre cette aventure. Sur ce... Ok, ok, c'est fine en vrai. C'est fine. As-tu remarqué les arbres qui changent de couleur? Les nouveaux Pokémon qui apparaissent ont l'air d'affecter l'environnement. Quel enfer cette forêt! Il y a des scouts partout! Ils se prennent tarif, les scouts, c'est injuste pour eux. Ah! Encore. Mais j'ai pas mes Pokémon, les gars, là. Vous me faites pas trop chier, s'il vous plaît. Hein. Je te tiens, sale voleur! Allez, répète après moi! Voler n'est pas bon! Voler, voler n'est pas bon! Danse, allez, tu vas le payer! Eh, mais j'ai rien fait! Me tape pas! Aïe! Ok, voler n'est pas bon! C'est quand même bizarre, ces histoires de vol. Je trouve ça curieux que des gens se mettent à faire ça alors que ça grouille de policiers. Ah, les jeunes ont raison, voler n'est pas bon. Argenta. La mat et le gris de la roche. Okay. Bon, Argenta, on va essayer de trouver le centre Pokémon en premier. Voilà. Putain, le rondou, il a des yeux, le rondoudou, c'est... C'est un meurtrier, le rondoudou, hein. Il faudrait être fou pour laisser quelqu'un de sa famille partir dans la nature à un si jeune âge. Mon grand-père ne veut pas me laisser devenir dresseur pour le moment. D'après lui, c'est beaucoup trop dangereux. Bah, ça l'est un peu, quoi. On est à 3h07, je vous propose d'aller jusqu'à 17h20 en vrai. C'est bizarre, je crois que mon doudou se met à chanter, je sens comme une irrésistible envie de dormir. Il y a bien des années que l'on n'a plus entendu parler de la Team Rocket. Elle a totalement disparu de la circulation et ce, depuis des années. Est-ce qu'on la reverra? Je me demande. Impossible de choper un personnage à chaque étoile sur ce jeu. Ah, j'en ai assez de ne pas avoir de chance. C'est dur Pokémaster, c'est dur Pokémaster. Hé hé, 2 5 étoiles en 10 vœux consécutifs. Je suis vraiment trop chanceux. Ah, c'était pas Pokémaster. Ouais, histoire de vœux, ça me dit rien quoi. Donc champion Pierre, respectant toute la région. On a tendance à le prendre à la légère parce qu'il s'agit du premier champion, mais lorsqu'il est sérieux, il vaut ne pas se trouver dans les parages. Ah ouais, carrément. Attention que tu marches! Je cultive de nouvelles fleurs. Faut prendre soin de la flore avant qu'elle ne disparaisse. T'es pas d'accord? Si, si. Tu me fais plaisir. Prends donc ça, c'est moi qui offre. Ok. Tu marches dessus après. Si au moment ils permettent de faire progresser un Pokémon. Si vous travaillez. Si vous êtes progressé, ne faites-vous travail, ne soyez pas un scout. Quel connard!
Mais ça me détruit le développeur, il est... T'as l'impression qu'il est en vœu au scout, quoi. Ah, excusez-moi, monsieur. Désolé, mais interdiction de passer. Ordre des forces de police internationale. Ok. Putain, on cherche femme mur pour un échange de Pokémon. Voici le numéro. Voici le numéro de cet échange. Joe, t'es ravagé, non? Joe? Qui est Joe? Plaque ombre. Deux êtres prières pour créer la matière et trois êtres prières pour créer l'esprit. Façonner ainsi le monde. Y'a Arceus dans le jeu? Bon, je joue pas la CT coupe, donc ça on s'en tape. La place de la femme, c'est la cuisine. T'es d'accord avec ça, mon gars? Non. Mais je vois. Peut-être que je devrais commencer à avoir l'esprit plus ouvert. Je regrette maintenant. Tiens, pardonne-moi et ne le répète pas. Point glace. Cool. Là, je voulais regarder si on pouvait dire oui pour voir la blague. Nidoran, couché. Oh, il m'obéit pas. Je sais pas avoir assez de badge. T'as pas de battre. La musique de Pokémasters, les amis. Oh, je suis fauché, là. Je me suis fait arnaquer par un type qui vendait un Magikarp. Fameuse référence. C'est pas mal, elle est pas mal. 21 000, donc là on est déjà un petit peu mieux en termes d'argent. On va en acheter 6. Oh, tu me mets bien par contre là. C'est un oui. Et un rappel évidemment au cas où. Je viens de la région d'Oen. La température est aussi douce qu'ici, mais j'aime beaucoup les paysages. Une fois, on s'est tapé un de ces déluges. On a même eu une sécheresse incroyable en même temps. Si vous venez à Oen un jour, sois prêt à affronter le climat exotique. Très jolie la petite référence à Groudon et Kyogre. J'aime beaucoup. En rénovation? Je peux quand même rentrer, donc on a rien à foutre. Ah! Vous êtes le champion raid, n'est-ce pas? Je ne vous avais pas reconnu. Faites comme chez vous. Comme si j'allais me gêner. Je n'aurais jamais cru voir ces fossiles un jour. Je me demande si mes petits-enfants viendront visiter... Visite quand je serai dans cet état. Viendront me visiter quand je serai dans cet état. Ça sera un fossile. Mais oui, t'inquiète pas, Pépé. En rénovation, mais il y a beaucoup de gens, quoi, hein. Je me demande s'il existe des Pokémon capables de vivre dans l'espace. Nous organisons bientôt une expédition dans l'espace, mais nous devons vérifier notre matériel informatique. Quelqu'un avait tenté de nous pirater récemment. Ah ouais? Ça, c'est la fusée! Nous, on est chargés, calibrés. Je me demande si les Mélopées viennent vraiment de l'espace. Ils sont trop mignons! J'ai demandé à mon papa, ils m'ont attrapé un! Oui, oui, je vais t'attraper un Mélofée, ne t'en fais pas. Oh, mais je te reconnais, toi. Tu es le fameux Red, n'est-ce pas? Je t'ai vu à la télé il n'y a pas si longtemps, lors d'une rediffusion de la Ligue. Tu étais grandiose. Mais du coup, tu pourrais peut-être m'aider, non? Ma fille est fan de Mélofée, mais je suis incapable de rattraper un. Déjà parce que comme dresseur, je ne veux pas grand-chose, mais aussi parce que l'accès vers le Mont Sérénité est bloqué. Alors, étant donné que tu es un dresseur de qualité, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose à ce sujet? Ne t'en fais pas, je te remercierai comme il se doit. Mais je veux à tout prix lui faire plaisir. Ok, ça marche. Ils sont cool les gens ici. Il n'y a pas grand chose à faire dans la ville par contre. Faut aller voir Pierre, ça je sais. Faut trouver Belladonis. Non, Belladonis c'est Azuria, pardon. C'est quoi leur problème aux policiers de bloquer le passage comme ça? Ils m'ont rendez-vous avec mon copain alors, hein? Salut Ren, t'es de retour? Ça roule comme tu veux? Tu devrais aller voir Pierre, il sera très surpris de te revoir. Fred, c'est vraiment toi? Je suis ravi de te revoir. Comment tu te portes depuis tout ce temps?
Oh mais, si tu es revenu à Kanto, tu dois être au courant pour ce qui se passe dans notre région, non? Je n'ai pas l'air d'être au courant. Quoi? Je vais te rendre à Azuria pour parler à un certain Bladolis? Je vois. Alors il te cherche. Écoute, Red. Et si on livre un combat, ici et maintenant, comme au bon vieux temps? Je vais m'assurer quelque chose. Bien évidemment, je ne compte pas me retenir. Qu'en dis-tu? Je vais vérifier par moi-même au niveau actuel. Tu sais que tu es toujours partant pour un combat. Alors, me voilà. D'accord, donc là, je suis en train de te dire qu'un flic me cherche. T'es en train de me dire que la région est dans la merde. Et toi, tu t'es dit... Faisons un combat. D'accord, Pierre. T'es pas trop con, ça va. Bah, évidemment, Vitapod n'est pas le Pokémon que j'enverrai en premier dans un combat de type proche. On y va, Red. Affronte-moi avec la même détermination de notre premier combat. Ouais, alors c'est pas grand chose à t'envoyer à la gueule, donc je vais t'envoyer plutôt un Damoclès pour t'amener quelqu'un pour moi. Pour au moins avoir le stable, quoi. Tiens-toi prêt, Red, c'est parti. En fait, tu fais l'âme de roche sur un Pokémon qui craint la roche, donc j'espère que je n'en ai pas parce que je sois surpris de ça, quoi. Qu'est-ce que tu en dis? Je t'avais prévenu. Viens donc te frotter à nous. Non mais justement, j'étais exprès de me laisser perdre pour te péter la gueule, en fait. Tu choisis toujours autant des Pokémon et précautions. Qui vas-tu m'envoyer? J'ai hâte. Dis bonjour à Loclas. Allez, prends ce mot dans la gueule. Et viens plus me faire chier, d'accord? Voilà, là on prend Loclas, pourtant c'est fini pour lui. Bien. Ces années n'ont pas servi à rien. Dans ce cas, tu crains toujours le type haut, frérot. Il a résisté à un PV sans faire meuter là? Ah oui! Oh ça me met bien! C'est pas grave, moi ils ont envoyé leur tank plutôt que prévu, ils ont envoyé leur tank quoi! Non, on va pas faire hydrocanon parce que vu mon taux de toucher sur l'hydrocanon, on va faire laser glace quoi! Mais c'est bien laser glace aussi, qu'est-ce que vous avez contre laser glace les gens? Ah, nous sommes aussi durs que le rock, Red! Il va falloir faire mieux que ça! Mais t'es mort là! Ah oui! J'avais pété un câble! Attends, vite fait, juste que je regarde, il me semble ne pas avoir vu de... Que le souvenir! J'ai bien eu les petits amis pour moi précédent aussi. Oh. Oh. Ah bah non. Bah non. Mais moi et mon équipe aussi, ça me devient plus fort. Regarde. Bah ouais, mais ça me gêne, là, en fait. Je confonds l'équipe un peu, là, je crois. Je vois qu'il t'est endurci. Tes Pokémon sont aussi durs que la roche. Attends, mais ton Ammonistar me pose problème, par contre. Je règle le cas à mon histoire très très rapidement. Est-ce qu'il y a aucun dégât sur le pot? Oh cette chance! Je vais aller pour le combat. Pierre, casse-toi, tu me laisses absolument rien. Par contre, vraiment, j'ai chaté sur le gel de la dernière fois. Terra, easy, on va te fumer la gueule. Laisse-moi juste caler hydrocanon à laser. Et Ptera? Où ça le Ptera? Pardon, je m'en vais. Recherche-toi Ptera et crève par la même occasion, s'il te plaît. Kabutops. Kabutops, au début, je pensais que c'était vraiment... Genesect, hein. Excusez-moi. Je vais profiter, évidemment, pour Revive. Revive à Loclas. Putain, il est dégelé en un tour. Et, en vrai, j'attendais pas ça. Il maniqué. Il maniqué parce que je l'attendais vraiment pas. Il a bien joué à lui du coup, hein. Il m'a défoncé la gueule. Il a bien fait.
C'est pas grave, le saut mur ça fait moins de dégâts que le gros canon, mais bon. Quoi? Il est quoi le machin? Attendez, faire plaquage, il faut bien le paralyser. Voilà. Par contre, il est quoi? Kabutops, c'est pas. Genre Lazaga, ça va plus de dégâts peut-être? Ah mais j'ai plus aucun dégât nulle part. Bah attendez, il y a un truc que j'ai mal fait. Hein. Il y a le Pokémon, je connais pas, il y a un problème quelque part, mais j'ai merdé là. Normalement, il aurait dû me péter la gueule quoi. Ah, lui aussi a bien changé. Je te présente Steelix. Vas-y, montre-lui mon ami. Tu peux donner Pokémon ? J'ai déjà commencé par le paralyser. D'accord, ça va marcher. D'accord, on ne s'est pas paralysé à coup sûr déjà. Je vais commencer par t'attaquer l'attaque trop dans la gueule. J'évite de faire trop de malin. T'as mes tests sur mes deux lights, ça fait plaisir ça. Là j'ai Pikachu. Qui possède la balle la balle lumière. Qui se permet d'avoir les stats de Pikachu de Let's Go, parce que sinon c'est pas marrant. Et qui en plus. À Gazbrick. Et c'est ciao. Merde. Attendez. C'est bientôt ciao. Et c'est ciao. Bon, Pierre, c'était marrant, mais il faut que j'aille à Azurian. Je suis sûr que tu comprends. Ça ne m'étonne pas de toi. Bien joué, Red. 12 000. Quel combat! Ça faisait un moment que je ne m'étais pas donné à fond comme ça. M'ajuster au dresseur débutant n'est pas tout le temps facile. Quoi qu'il en soit, je vais t'aider à te rendre à Azuria. Je vais parler au policier à l'entrée. Mais ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. On se rejoint là-bas, d'accord? Oh, une dernière chose. Prends ça. Un petit cadeau pour fêter la victoire et ton retour dans la région. Éboulement, ok. C'est fun, en vrai. C'est très très propre ce qui se passe les amis. Petit... bah là on va aller passer par là, on va prendre des guérisons. On n'a pas touché pour l'instant, mais ça peut servir, donc on va la garder. Il y a encore une guérison, on peut se permettre. Hein. Alors j'ai fait les guérisons parce que c'est vraiment très utile, donc si besoin est, on aura nos guérisons. Quoi. Il reste encore 5 minutes de stream, on va aller doucement vers Azuria, peut-être qu'on peut y arriver très facilement. Donc voilà, dans l'espoir d'aller rapidement à Azuria, d'avancer un petit peu. Évidemment, on va soigner les Pokémon et avancer dans la région de Kanto, les amis. C'est tout bon, Red. Je leur ai parlé. Tu peux aller les voir, ils vont t'escorter jusqu'à Azuria. Fais attention à toi et bonne chance. Ils vont m'escorter? Tu aurais dû me dire plus tôt que tu es entendu par Monsieur Belladonis. On va t'escorter jusqu'à Azuria. Est-ce que tu as tout terminé à Argenta? Oui. Et on met les voiles, jeune dresseur! Donc, très clairement, je ne peux pas faire chemin arrière. C'est ça qu'ils voulaient me dire. Le propriétaire du nouveau bar a l'air craquant. On s'ennuie comme des ratatas morts depuis que l'on ne peut pas sortir de la ville. J'entends dire que Léo, le célèbre savant, est parti à Johto pour assister à un certain professeur Orm. J'ai pas la rêve de Johto, j'ai jamais joué à la deuxième génération. Comme ça, on le fera en dernier. Tiens, je défends du coup cette dernière. Ouais, évidemment, on le fera en dernier. Qu'est-ce que tu veux ? Nous devons sécuriser le périmètre. Personne ne peut sortir des villes sauf sur procuration. Ah oui d'accord, donc vraiment tu vas me bloquer le chemin.
marche. Ouais, non, je vais pas te laisser passer chez moi comme ça, je suis de ménage. Peut-être plus tard, vu tous les dresseurs qui y passent, je serais peut-être en faire un péage. T'es vraiment dans l'optique de pas me laisser passer également. Ok. Fais ce que tu veux, frérot. Hein? Quoi? Je t'entends pas! Parle plus fort! Ah bah, répondre. J'aurais aimé que mon mari puisse être aussi jeune et beau que toi. Ok, on se casse, les gars! On replie la mission! Dès qu'on a le siège de la police ici et plus de Team Rocket, la vie est tellement plus tranquille. Ah, le truc de Jim, on y va à la fin. Ondine est tellement belle. Je me demande si je devrais oser lui parler un jour. Les kiffs sur Ondine, c'est pas mon truc. Hein. C'est à titre personnel, bien sûr. Mais je peux comprendre que les gens soient en kiff. Je m'ennuie, il n'y a pas d'action dans cette ville. Moi aussi, je veux être policier. Je peux passer? Interdiction de passer. Normalement, maintenant, on a plein de trucs à faire à Azuria. On a Belladonis, on a les cadeaux. Le gérant qui part en pause pile quand j'ai besoin de me payer un vélo. Non mais... Partir en pause. Premier degré. Premier degré, le mec s'est tiré. On raconte qu'un bar va ouvrir ses portes très bientôt à Azuria. J'ai hâte. Je vais me préparer comme il se doit pour vaincre Ondine. Je crois que c'est lui le mec à qui je dois parler. Je vais parler aux autres. Ils vendent pas de super bonbons ici? Ça vaut nulle part. Bien le bonjour, je suis envoyé par le créateur du jeu. Voici la récompense du moment. Donc 10 Ekaiker pour les 10 000, téléchargements. Donc félicitations à tout le monde et félicitations à lui d'avoir atteint les 10 000 téléchargements, bien évidemment. Et merci à lui pour les cadeaux. Ça me semble évident de le remercier. De plus, afin de célébrer la sortie récente du jeu, il vous propose également de choisir entre ces 3 Pokémon. Ah bon? Ah ça j'étais pas au courant par contre. Bah je choisis tous les jours, je choisis Tortonk en fait. Hein. Tortonk kit. Attention, mais ce n'est pas écrit de magasin mais en fait, même pour que vous n'avez pas accès aux meilleurs ensembles de transfert pour éviter un fonctionnement du jeu. Ça marche. J'ai pas sauvegardé. Je... Il y a eu une dinguerie là. Attendez. Il y a eu... Non mais il y a eu une dinguerie, je suis tout à fait excusable. Excusez-moi. En fait, il y a eu une dinguerie. Voilà, en fait, le cadeau qu'on devait choisir, c'était entre les 4 dragons. Et moi j'ai appuyé sur A et j'ai choisi Dracolos alors qu'il y avait trop chaudon. Ok, donc là en gros, quand on choisit le Pokémon, on choisit du coup la méga évolution à laquelle on va avoir accès. Ça peut être utile de savoir aussi ça, en vrai. Ça peut être utile dans le sens où... Ou comment dire. Là on n'a pas de poussée, on n'a rien, là on n'a aucune info, on n'a aucun objet. Ça peut être très utile en fait dans le sens où on a besoin de savoir ce qu'on a au bout, quoi. Donc pourquoi pas. Est-ce que je prendrais pas la méga Borizarite en vrai par exemple? Tu m'as dit quoi toi déjà? Je suis sorti de la ville, c'est vrai. Et le bar il est où? On nous parle d'un bar, on a vu toute la ville, on n'a pas vu de bar.
En vrai, non. En vrai, on va pas changer le Tor Tank. Pour une seule chose, c'est que c'est pas RP du tout. Au moins, le Tank, on peut pas le changer. Parce qu'en vrai, vous voyez, le Franchodon, c'est un misclic vraiment, alors que le Tor Tank, c'était... Faut être RP, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il nous précise... Évidemment, monsieur. Ok, fine. Non, pas de surnom, j'ai loupé la bague. Moi j'avais déjà du coup Pikachu machin. C'est bon, il n'a plus. Ok, bah du coup évidemment. C'est toi le nouveau bar? Je suis le propriétaire du bar qui aime tout ouvrir. Enchanté, je m'appelle Alexandre. Je viens d'une très lointaine région. Et en guise de pré-bienvenue, je te fais cadeau de cette baie que j'aime utiliser dans toutes mes boissons. J'espère te revoir bientôt. Je connais pas. Je connais pas le mec, par contre moi je vais très bien aller voir un peu les boîtes PC. Checker un petit peu ce à quoi j'ai accès maintenant que j'ai trop chaud. Je suis quand même vachement content en vrai. Oh, tu peux pas savoir à quel point tu me mets bien toi. Alors, je serais prêt à virer l'eau classe en vrai. Ou Tor Tank. Après, le truc, c'est que j'ai méga Tor Tank en vrai. Hein. Je vais dégager elle, parce que pour l'instant, j'ai méga Tor Tank. On peut m'en donner un. Il est mieux. Ah, mais c'est ça, c'est les clones. C'est les clones de Mewtwo. Bah, go en vrai. C'est plus stylé. Du coup, je regrette pas trop, juste que un peu droit. Donc, foot est dégueulasse avec son clone en vrai. Et du coup, on peut faire méga évoluer le clone. C'est un peu bizarre en vrai. Mais je suis pour. Je suis pour à 200%, chef. Voilà. Et Greninja. En vrai, Greninja est stylé. Même question, est-ce que je prends Greninja plutôt que. Que Tor Tank alors que j'ai une méga Tor Tank. Bah en vrai c'est oui et non en vrai. Defeating a foe as it become Ash Greninja. Quoi? Ces attaques sont pas dégueulasses en vrai, ça c'est cool. Et en plus il a un stab ténèbre, en vrai il est mieux que Tor Tank hein. En vrai on va le prendre. En vrai, il est surcoté comme Drac au feu, mais là on en a besoin parce qu'il est haut ténèbre, qu'il a un stab ténèbre. Et qu'il a un machin, je sais pas quoi, avec H, donc Sacha. En français. Pour l'instant, il est mieux que Tor Tank, je pense. Et il est niveau 80, donc c'est pas trop un problème en vrai. De les shift. Ça lag un peu, mais c'est pas très problématique. Pour l'instant. Voilà. Ok, on se pose au milieu. On fait le X de la sauvegarde, évidemment. Juste pour checker si je fais équipe. Est-ce que je peux me balader avec un Pokémon? Ça m'étonnerait. J'ai vu personne en parler n'importe où. Je pense pas qu'on puisse s'en servir. Mais ça me fait extrêmement plaisir d'avoir le droit à un petit tranchon. Oh allez.
les bonbons là. Tronchodon même pas, hein, de sur. T'as pas de. Toi t'es apte. Ça peut être pas mal en vrai que tu l'apprennes. Peut-être trop touché à ça parce que je me dis que bon, je sais pas non plus le plus optimal pour ça. On va sauvegarder et on va évidemment se laisser là, les amis. Alors attendez, je vais juste. Ah merde, attendez, hop. Voilà, donc on va se laisser là, les amis. J'espère que ce stream vous a plu. On a 3h30 de stream, on commence un peu à dériver avec ce jeu. Du coup, j'espère que ça vous a plu parce que moi ça m'a beaucoup plu ce jeu là et vraiment. Pixel sur tous les points pour l'instant. On a eu un Trochodon, on a eu un Greninja, on a battu Pierre. On va demain peut-être voir Belladonis. Donc voilà, donc on se laisse là. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Passez une bonne fin de mercredi et à bientôt tout le monde.